3 Harley-Davidson dévale les petites routes de campagne. Nous ne sommes pas aux États-Unis, mais en France, dans le département de l'Ardèche. Sur les motos, blouson noir, tatouage, pas de casque, ce sont des bikers. Tous les 6 août, ils se rendent à une réunion de commémoration en l'honneur d'un des leurs, décédé il y a 8 ans. Dans leur langage, ils appellent cela un mémo. Il y a tous les ingrédients à boire, à manger, du rock'n'roll, des amis. Et ça va encore arriver au fil du week-end. Franck est l'organisateur de ce memory. Sur les t-shirts, sur les murs de la maison, leur héros, Jean-François André, surnommé la Pie. Fils d'ouvrier, il était devenu un motard célèbre dans toute la région. Il est mort assassiné le 6 août 2003. Son ou ses meurtriers n'ont jamais été identifiés. Il y en a, bon, bah, ils ont pas trop fait le deuil encore. Hein. Ils veulent pas trop... c'est sûr, hein. C'est un peu difficile, il n'est plus là. Hein. Ils ne sont plus qu'une vingtaine à lui rendre encore hommage. Ses plus proches amis, sa famille, son père, Marcel. Moi, j'aurais aimé ces banques. C'est pas que je suis trop vieux, c'est que je me sens plus costaud à mener une machine comme ça. On discute moto, on se rappelle les meilleurs moments avec le disparu. Au milieu du jardin, une femme monte un tipi. Elle se surnomme l'Indienne. C'était la confidente de l'Api. Il a parfois vécu dans ce tipi lorsqu'il avait des problèmes, quand il voulait se couper du monde. C'est son petit havre de paix, il le disait tout le temps, quoi. Il planquait la moto pour pas qu'on vienne l'embêter. Parmi les invités, en bout de table, une jeune femme blonde. Elle s'appelle Jennifer, la fille de l'Api. Sur son dos, un tatouage. Papa, je t'aime. Une légende est morte, mais un mythe est né. Pas l'oublier, il est toujours là, toujours présent parmi nous, voilà. Un mythe dans le monde des motards. Quelques jours avant de mourir, l'Api était devenu le chef français d'un groupe de bikers international. Les Outlaws, les hors-la-loi en français. Son assassinat va déclencher une vague de meurtres sans précédent. Une vendetta. 3 hommes, soupçonnés de l'avoir tué, vont à leur tour être exécutés. Une véritable tuerie en série entre Drôme et Ardèche. Au sud de Lyon, le Rhône sépare les plaines de la Drôme à l'est et les collines de l'Ardèche à l'ouest. Dans le petit village de Champagne, nous avons rendez-vous avec Jennifer André, 26 ans, la fille aînée de l'Api. Aujourd'hui femme au foyer et mère de 2 enfants, Jennifer avait 18 ans quand son père a été assassiné. Tout ce qu'elle a conservé de lui est dans ce petit classeur noir qu'elle feuillette régulièrement. C'est un dossier que j'ai fait quand mon père a été assassiné. Avec les articles, des photos que j'ai pu réunir. Voilà. Vous le regardez souvent, ce cahier ? Quand ça va pas, oui. Quand ça va pas, quand j'ai besoin de voir, ouais. Ou il reste souvent dans le placard, mais je sais qu'il est à côté, donc du coup, voilà. Son père ne quittait jamais sa moto, ni ses vêtements de cuir. La plupart du temps, il s'habillait en noir et blanc, d'où son surnom, la Pie. C'est dans cet univers peu banal, celui des bikers, que Jennifer a grandi dans les années 80. C'est quoi de grandir dans une famille de bikers ? Pour un enfant, c'est dur parce que on est jugé par rapport à lui et pas par rapport à nous. Pas beaucoup d'amis dans l'enfance à cause de ça, quoi. À cause d'une réputation non fondée, quoi. Voilà. C'est quoi une réputation ? De gangster. Un biker, c'est surtout, tout le monde pense qu'un biker, c'est automatiquement un gangster, quoi. Et non, c'est l'amour de la moto et voilà. L'amour de la moto. L'Api est né avec cette passion dans le sang. Né en 1961 à Quintenat, un petit village d'Ardèche, il a toujours été fasciné par l'univers des motards américains. Une passion qu'il a transmise à sa famille. Sur les routes d'Ardèche, nous retrouvons sa sœur Jocelyne, avec son mari,
ils sont eux aussi devenus des inconditionnels de Harley-Davidson. C'était le seul dans la région. C'est lui qui a créé le mouvement dans la région. En 1975, à 14 ans, Lapi s'offre sa première mobylette. Il la bricole lui-même, surélève le guidon pour qu'elle ressemble à un chopper, à l'image des motos américaines, un chop, comme dit sa sœur. Depuis son enfance, oui, ça a commencé à l'âge de 14 ans qu'il a pu conduire les motos. Ouais. Il a monté ses chopes. C'était sa passion. C'était son rêve. Hein. Son rêve, la liberté, la moto. La liberté, hein. Ouais. La liberté, ouais. Créer son shop, faire quelque chose de sa vie, en fait. Dans les années 70, Lapi sillonne l'Ardèche au guidon de son chopper et rencontre d'autres jeunes passionnés de moto, comme Franck. Ils ont 20 ans quand ils se rencontrent. Pour Lapi, Franck était comme un frère, un vrai biker dans l'âme. Salut les gars, est bien réglé là, quand même. Sur cette ancienne photographie, Lapi et Franck de dos. Ils arborent le nom de leur premier club de moto, Canette Givré. Franck a toujours vécu de petits boulots. Mais l'argent est pour lui sans importance. Comme Lapi, son bien le plus précieux est sa moto. Une Harley-Davidson, un modèle unique qu'il a pratiquement bricolé lui-même. Avec elle, il est libre de partir où il veut et quand bon lui semble. C'est une moto qui est faite dans l'esprit d'un cheval sauvage, quoi. On la maîtrise ou on galère avec, quoi. C'est un choix. Elle est parfaite comme ça pour moi. Et le biker, il doit toujours être en Harley ou pas? Si le biker il est en Harley, c'est peut-être parce qu'il a envie de dire qu'il a envie d'être libre et qu'il retrouve quelque chose dans le Harley, une certaine liberté dans l'histoire de la Harley. Donc là, il y a une connexion entre le personnage et la marque. Mais un rebelle, c'est individuel de toute façon. Hein. On peut rouler après comme on veut. Hein. Réfractaire, rebelle. Lapi n'a pas vraiment d'emploi. Mais à 24 ans, il devient père. Nous sommes en 1985 et Lapi va se créer une activité professionnelle au Creux de Latine, un petit village de la Drôme, le long de la Nationale 7. Grâce à l'argent d'un héritage, il achète une grande bâtisse dans laquelle il ouvre un bar, le RN7, et un magasin de pièces détachées de motos. Sur une large fresque murale, il se fait même représenter sur la devanture. Dans les mois qui suivent, le bar de Lapi commence à attirer les motards de la région. Ils seront plus d'une trentaine à le fréquenter régulièrement. Avec eux, Lapi crée au milieu des années 80 un vrai motoclub, un MC dans le langage des bikers. Il le baptise MC Drôme. Lapi se proclame président et attire l'attention des médias. En 2000, la chaîne Voyage lui consacre un reportage. Sur cette archive, Lapi est interviewé au sujet de la mythique Nationale 7. Et Nationale 7, bon, moi, vous voyez du paysage, quoi. Il y a beaucoup d'histoires sur la Nationale 7, quoi. Le MC Drôme acquiert une grande notoriété dans le petit monde de la moto. Sous l'égide du club, Lapi organise des concentrations de motos, des actions de charité ou encore des concerts rock, autant d'événements qui boostent sa popularité. Ancien membre du club, aujourd'hui retraité, Indian n'a plus de moto, mais il se souvient avec émotion de cette époque. C'est tout, là. Là, on est au Creux de Latine. Et vous êtes? Et moi, je suis là. Quand il rencontre Lapi, Indian tombe littéralement sous le charme de ce biker charismatique qu'il décrit comme un chef, un véritable leader. C'est ce que j'ai, moi, trouvé de mieux. En personnage, hein. En charisme, en individu et en honnêteté. Il était ce qu'il était. Mais par contre, il était d'une droiture. On n'en a pas fait beaucoup des comme ça. C'était quelqu'un qui réunissait. Il y a des gens qui donnent envie d'avancer dans la vie. Et Lapi en faisait partie. Mais au sein du MC Drôme, Lapi n'accepte pas tous les motards. Pour être membre, il faut être un homme, posséder une Harley. Chaque membre doit se jurer secours et fidélité. Un engagement qui prime sur leur vraie famille. On vit avec le club, hein. On est intégré au club, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. C'est le club. Ouais, c'est. Mon père partait pas en vacances parce qu'il y avait le club. S'il y avait un truc qui se passait avec le club, et à côté un repas de famille, c'était le club. À ceux qui le méritent, Lapi offre des patchs, ses écussons à coudre dans le dos des blousons, des jaquettes en cuir. Des patchs qui ne sont pas en vente libre. Grâce à Franck, l'Indienne a accepté de nous recevoir chez elle.
elle voue encore aujourd'hui un véritable culte à son ancien ami. Sur son bras, un tatouage. Au-dessus, on peut lire « En mémoire à mon frère assassiné, Lapi ». En dessous, trois mots. La devise du MC Drôme, respect, amitié, fraternité. Dans son petit appartement, un mur entier est consacré à son ancien ami. Un véritable mausolée. L'Indienne a surtout eu le droit de conserver les patchs de Lapi après sa mort. Dans le milieu, on dit les couleurs. Alors ça, ce sont ses couleurs du MC Drôme. Et là, ce sont des photos. Il y en a des anciennes, il y en a des plus récentes. Là, il y a son dernier bandeau. Et là, c'est son premier maillot. C'était ça, les couleurs? Ça, c'est les couleurs du Creux de Latine. MC Drôme. En quoi c'est important, les couleurs? Qu'est-ce que ça représente, des couleurs? Mais à quoi tu es affilié, en fin de compte? Tu es dans un club, tu fais partie d'un club, tu portes les couleurs de ton club. Donc, tous ceux qui portent les mêmes couleurs sont tes frères. Des frères, des couleurs, un lieu de rendez-vous, le MC Drôme recrée en Ardèche l'organisation typique des clubs de motards américains. Car c'est là-bas, aux États-Unis, qu'est née la culture biker. Dès sa jeunesse, fasciné par l'Amérique, Lapi y part aussi souvent qu'il le peut. Il adorait les États-Unis, l'image, la route 66, tout ça. Ouais. Des fois, on était un peu en courant qu'il partait. On savait, on partait nous-mêmes en vacances, donc lui profitait de partir en vacances là-bas. Pour découvrir cette culture biker qui fascinait Lapi, nous décollons pour Laconia, dans l'état du New Hampshire. Tous les mois de juin, depuis 1923, les routes environnantes sont prises d'assaut pendant une semaine par des centaines de milliers de motards. Dans ce paysage montagneux, les bikers viennent ici pour rouler, découvrir la région, se rencontrer. On appelle ça une concentration. Laconia, baby, Laconia. Étape obligée à Laconia, l'allée centrale. C'est ici que les bikers se garent pour y faire admirer leurs motos. 90% sont des Harley Davidson. Toutes différentes, personnalisées, parfois jusqu'à l'outrance. This is the porn bike. C'est ma moto porno, c'est toutes les filles que j'ai baisées. Elles sont où? Partout, regarde, des filles, filles, filles. En fin de journée, les bikers se retrouvent au Full Throttle Saloon. Une salle de concert qui annonce clairement la couleur. Port d'armes interdit. À l'intérieur, des jeunes filles sexy, payées quelques dollars pour appâter le client. Tout est fait pour exciter un public presque exclusivement masculin. Bières et alcool fort coulent à flot. Concert de hard rock. Nous n'avons croisé presque aucune femme motarde. À Laconia, les bikers viennent faire du shopping. Admirer les mécaniciens au travail. Et surtout, acheter de nouveaux patchs à coudre sur leurs blousons, leurs jaquettes. What do bikers prefer? Quel patch préfèrent les bikers? Ça dépend du style de bikers. Certains préfèrent les drapeaux, les aigles. D'autres, les têtes de mort ou les animaux. Harley Davidson, surtout Harley, c'est la meilleure vente. Des slogans, la plupart agressifs contre les homosexuels, les femmes, les Mexicains, ils sont le reflet d'une idéologie virile et nationaliste. Les bikers aiment leur pays, l'Amérique. L'un de ces patchs nous est même directement adressé. Ils en ont un sur la France, je ne suis pas sûr qu'il va vous plaire. À Laconia, tous les bikers qui sont membres d'un club affichent leurs couleurs dans le dos. Le plus mythique, c'est le club des Hells Angels. Les anges de l'enfer en français, un club à la réputation sulfureuse. Leur logo rouge et blanc représente un crâne ailé. À Laconia, nous repérons enfin un Hells Angel. Nous filmons sa jaquette, ses couleurs. La réaction ne tardera pas. Pratiquement impossible d'approcher les Hells Angels. Fondés dans les années 50 en Californie, les Hells Angels tirent leur nom d'une escadrille d'aviateurs de l'US Air Force. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle avait acquis une solide réputation de tueurs de nazis. Mais leur réputation mondiale, les Hells l'acquièrent le 6 décembre 1969 lors d'un concert des Rolling Stones organisé à Altamont, en Californie.
Ce soir-là, les Hells Angels sont payés par les Stones pour assurer leur sécurité. Tout à coup, panique dans la foule. Un jeune spectateur vient de pointer une arme sur le chanteur Mick Jagger. Un Hells Angel se rue sur lui, le poignarde, le tue. Après plusieurs procès, la légitime défense sera prouvée. Le club des Hells Angels a quitté. Ils y gagneront une réputation mondiale de bad boys, de mauvais garçons. Selon leur site internet, les Hells Angels seraient 5 à 10 000 présents dans 36 pays, dont les États-Unis, la Russie, l'Australie, le Canada et aussi la France. Régulièrement, les Hells Angels entrent en conflit avec d'autres clubs de motards, comme sur ces images amateurs tournées dans un casino du Nevada aux États-Unis en 2002. Une gigantesque bagarre éclate entre des Hells et un club rival. Trois bikers vont mourir. Dans l'univers des bikers, cette violence est récurrente. Car leur culture est étroitement liée au monde des vétérans, ces anciens soldats qui ont fait la guerre au Vietnam, en Irak ou en Afghanistan. Comme les Hells Angels, de nombreux clubs arborent des patchs qui sonnent bon l'US Army. Combat Vets, Submarine Vétérans ou encore Nam Knights, les Chevaliers du Vietnam. Il était au Vietnam. Plusieurs autres derrière moi étaient au Vietnam. On a tous servi en première ligne. C'est pourquoi nous portons tous ces couleurs en souvenir des Chevaliers du Vietnam. Rendus à la vie civile, les vétérans peinent parfois à se réinsérer. Du coup, ils se réfugient souvent dans la culture bikers. Aux États-Unis, près de 40% des acheteurs de Harley sont des vétérans. Quand mes frères sont revenus de la guerre, ils n'étaient pas respectés. Ils se sont sentis abandonnés. Nous avons été blessés. Les gens critiquaient tout ce qui s'était passé. C'est une confrérie. Voilà ce que c'est. N'importe quel gars qui porte un de ces patchs, je ferai n'importe quoi pour eux. Je me moque de qui ils sont. C'est la même mentalité que celle que nous avions dans le service. À Laconia, un club détonne, les Soldiers for Jesus. Leur mission, pacifier le monde des bikers. Les membres de ce club ont pour certains connu la prison avant de rencontrer Dieu. Ils ont tout arrêté, l'alcool, la violence, la drogue, tout sauf la moto. Ils nous invitent à une balade, un ride. Au guidon de sa moto, Murph nous raconte son plaisir de rouler en groupe. J'adore les Harley Davidson. J'ai été élevé dans cet univers. Mon père était un biker. Ça vient de là, vous savez. J'aime le son, l'odeur, juste la liberté de rouler sur la route, d'être avec mes frères. Les gens regardent les patchs que nous avons dans le dos. J'adore ça. Dans un ride, chacun a une place précise. Murph, responsable de la sécurité, ferme la marche. À Laconia, ils sont 8 Soldiers for Jesus. Ils ne prêchent pas. Ils veulent, par leur présence, montrer que la culture biker est compatible avec la non-violence. Ma mission est d'aller à la rencontre de la culture biker. J'ai été addict à l'héroïne. Voilà qui j'étais. Durant des années, j'ai pris de la drogue, j'ai fini en prison, fait des overdoses. Et quand j'ai rencontré Dieu, il a changé ma vie. C'est ce que je veux partager avec les autres et témoigner de cela. Parmi tous les clubs de motards américains célèbres dans le monde entier, l'API rêvait d'en intégrer un, le plus radical, celui des Hells Angels. C'est un rêve, quoi. C'est vraiment le rêve. C'était de faire partie de ce club, de cette famille-là, des Hells Angels. À l'époque, la France compte deux clubs de Hells Angels, l'un à Paris, l'autre à Orléans. Pour s'en rapprocher, l'API doit obtenir pour le MC Drôme une affiliation. Cela signifie que MC Drôme et Hells Angels vont s'assurer fraternité et protection. À la fin des années 80, le MC Drôme devient ce qu'on appelle dans le jargon des motards un club support des Hells Angels. On était support Hells Angels et ça se passait très bien. À l'époque. À l'instar des grands clubs, le MC Drôme revendique un territoire sur lequel il règne en maître. Le voici, cartographié par l'API. Au début des années 90, ce territoire s'étend du sud de Lyon jusqu'au nord de Marseille, soit pratiquement tout le couloir rhodanien. Sur cette aire géographique, l'API entend imposer ses propres lois, parfois même en se substituant à la justice officielle. Il y avait une petite dame qui tenait une presse
au creux de la tine, la mamie. Et la pauvre dame se faisait souvent cambrioler jusqu'au jour où la pie, il a dit non, ça fait pas, mamie, on va s'occuper de ça. Et elle a plus jamais été cambriolée. Il était libre de, on va dire, du gouvernement, on va dire ça comme ça, ouais. Au sein du MC Drôme, la pie est un des seuls à avoir une activité professionnelle. Car la grande majorité des bikers du creux de la tine ne travaillent pas et passent la plupart de leur journée au local. Certains sont même financièrement dépendants de la pie. Pour aider ses frères dans le besoin et arrondir ses fins de mois, en chef de bande, la pie organise des trafics sur son territoire. Il s'agit généralement de voler des marchandises transportées dans les camions qui s'arrêtent le long de la Nationale 7. La pie sera souvent inquiétée par la justice, mais jamais condamnée. Il n'y a rien, il y a des tombées de camions et des choses comme ça. Mais bon, il faut faire un peu d'argent. Si on n'a pas d'argent, on ne bouge pas, on est mort. On vit d'un camion qui est en route, quoi. Pas moins que le chauffeur, il dort, ou le chauffeur est dans le coup. Et puis voilà, il y a des frigos, des électroménagers, ça peut être des vêtements, ça peut être n'importe quoi, quoi, qui se vendent dans la région après. Ces trafics se préparent dans le secret du local du MC Drôme. Ce lieu est le véritable centre du club. Jennifer accepte de nous ouvrir les portes du local, aujourd'hui à l'abandon. Il ne reste presque rien de l'ambiance qui régnait autrefois. Alors là, il y avait la porte blindée, donc elle y est toujours. Hein. Bon, il n'y a plus la caméra à l'extérieur, mais la porte blindée est toujours là. Ça sert à quoi d'avoir une porte blindée ? Ben, cas s'il y a des tirs. Vous voulez dire qu'il y a déjà eu des tirs ici ? Ici, non, mais dans des autres lieux, oui. Donc, du coup, ils préféraient, pour une sécurité, de mettre ça. Là, il y avait le bar, donc du coup, donc, toujours mon père derrière. Et ici, ils faisaient quoi ici ? Bah, c'était un bar privé déjà. Donc, ils recevaient les amis. Le club était là constamment, quoi. Petite soirée, les réunions qu'il fallait faire. En 1992, en marge du MC Drôme, la pie rencontre un certain Michel Dibaco. À l'époque, Dibaco sort juste de prison. Après une condamnation pour proxénétisme, il s'est installé à Arras-sur-Rhône, à une dizaine de kilomètres du creux de la tine, et prend en gérance ce bar. Amateur de moto, Dibaco sympathise très vite avec la pie. Gros caractère, les deux hommes deviennent en très peu de temps les meilleurs amis du monde. Avec lui, la pie va monter une affaire de placement de machines à sous dans les cafés. Il nous l'a présenté comme un grand ami, avec ses deux enfants, d'où on jouait, qu'on est parti au ski, on a fait des batailles de boules de neige. On se voyait pratiquement une fois toutes les deux semaines, si c'était pas tous les week-ends. C'était un ami, ouais. Une amitié qui durera près de 10 ans. Mais en 1999, pour des raisons mystérieuses, les deux hommes se fâchent, deviennent ennemis, sans donner d'explication à leur entourage. Un autre ami de la pie croit savoir ce qui s'est passé. Son surnom, le vampire. Selon lui, Michel Dibaco, surnommé Gros Michel, se serait livré à partir de cette époque à un trafic de drogue dans la région. Un trafic que la pie n'aurait pas toléré sur son territoire. Qu'est-ce qu'il y avait entre le Gros Michel et lui ? Je pense que c'est une histoire de cam. Une histoire de cam, quoi, de la drogue, quoi. De la cam. C'est pas le chichon, mais carrément de la cam. Dibaco faisait de la vente que la pie voulait pas. Donc, des choses qui sont pas compatibles. Donc, la pie n'acceptait pas. Si la pie se méfie du deal de drogue, c'est que le MC Drôme et ses trafics attirent de plus en plus l'attention des gendarmes locaux. La pie en a assez. Il souhaite sortir de l'illégalité. À ses proches, il parle même de se ranger, d'arrêter ses petits trafics. Votre père voulait-il continuer ? Non. Il avait parlé à d'autres gens qu'il aurait souhaité tout arrêter parce qu'il n'en pouvait plus, quoi. Il en avait marre. Mais pas la moto, quoi. Mais il voulait arrêter tout ce qui était à côté, ouais. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont eu peur parce que sans mon père, il n'y avait plus rien, quoi. Donc, plus le même train de vie, à rien faire, à être assis en terrasse avec un verre à la main. Cool, quoi, la vie cool. Pour sortir des activités illégales, la pie monte de nouveaux projets. Avec son ami le vampire, il veut créer dans la région un grand centre européen pour les bikers avec une salle de concert.
ancien entrepreneur de spectacle, le vampire possède justement une bâtisse à Saint-Vally. Alors on va s'arrêter comme ça à droite, pas devant le portillon, le portail il est juste en dessus. Ensemble, ils rebaptisent l'endroit Red House. Allez, je vais vous faire écouter un petit rockabilly avant qu'on monte voir en haut. Le vampire est nostalgique de cette époque. Il aimait ça aussi, il aimait ça. Avant sa mort, Lapi n'aura organisé ici qu'un seul concert. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer pour Lapi? Ben voilà ce que Lapi, il a vu ça. Et j'ai fait le concert, c'était comme ça. On a fait le concert ici. En bas, c'était les Harley. Il y avait des gars qui vendaient le t-shirt et tout. Mais on a fait quand même 600 euros d'entrée à 2 euros. Pour rompre définitivement avec l'illégalité, Lapi espère faire grandir le Red House, en faire à terme une véritable source de revenus. Il commence à changer de vie, il a compris le feeling. Il voulait revenir sur du business légal. Tout à fait, je lui dis, tu achètes, au lieu que tu achètes des trucs qui tombent du camion, achète une fois, deux fois, trois fois, aux enchères ou n'importe où, tu vas voir que tu vas te faire des bonnes affaires. Dans le milieu des motards, Lapi et son MC Drôme sont devenus célèbres. En 1997, il va retourner voir les Hells Angels à Orléans pour leur demander que le MC Drôme devienne maintenant un club Hells à part entière. Mais Lapi va être rejeté. Les Hells d'Orléans ne veulent pas intégrer l'ensemble du MC Drôme. Contrarié, Lapi aurait été jusqu'à se bagarrer avec les Hells. Mais un règlement de compte qui se fait là-bas, on ne sait pas ce qui s'est réellement passé parce que on sait que ça s'est tapé dessus. Mais ça s'est arrêté là pour pas aller plus loin. Il n'aura pas eu un bon comportement vis-à-vis des Hells Angels. Et ce qui a été fatal, quoi. Lapi va alors tenter de s'affilier aux Outlaws, un club ennemi des Hells Angels. Reconnaissables à leur jaquette ornée d'une tête de mort sur des pistons croisés, ils ne sont pas présents à l'époque en France. Lapi rêve de les y implanter. Après une certaine déception, les Outlaws paraissaient quand même une nouvelle aventure, sans pour ça renier ce qu'on a été. Au début des années 2000, Franck, Lapi et les autres vont sillonner l'Allemagne, la Belgique ou l'Angleterre. Ils veulent devenir les représentants des Outlaws en France. Mondialement, c'est ce que les Outlaws attendaient. Ils en rêvaient depuis des années qu'il y ait un chapitre en France Outlaws. Lapi adopte sur son foulard les couleurs noires et blanches, les couleurs des Outlaws. Dans le monde des motards, ils deviennent officiellement ennemis des autres clubs. Pour assurer sa sécurité, Indian décide de porter en permanence une arme sur lui. Naturellement qu'on avait des armes, mais attends. On porte des couleurs dans le dos, on est le seul club en France à avoir les couleurs Outlaws. À se dire que demain, on va se faire tirer dessus et on n'a pas le droit de se défendre. Mais toi, à ma place, tu fais quoi, toi? Au fil des mois, la pression monte chez les futurs Outlaws, car leur intronisation approche. Le 26 juillet 2003, Lapi, Indian, Franck et trois autres membres du MC Drôme sont convoqués par les responsables européens des Outlaws près de Manchester, en Angleterre. C'était quoi le but du voyage? C'était d'aller les chercher les couleurs et les ramener en France. Au retour dans la Drôme, les Outlaws nouveaux posent fièrement dans leur local du Creux de la Tine. C'est la dernière photographie de Lapi. 11 jours plus tard, il est assassiné. Aujourd'hui, un club Outlaw subsiste en France, au Havre. Sur Internet, nous apprenons qu'il organise une journée de commémoration en mémoire de Lapi, le premier Outlaw français. Le meurtre de Lapi peut-il être lié à son appartenance au club? Nous décidons de leur poser la question. Nous les avons prévenus de notre arrivée. Avec méfiance, les Outlaws ont accepté de nous laisser filmer l'entrée du local. La seule personne autorisée à nous parler est l'actuel président du club. Bonjour. On peut parler à quelqu'un? Merci. Bonjour. Bonjour.
Vous êtes responsable? Oui. C'est... Enfin, c'est quoi, on dit président, c'est ça? Oui. Et vous êtes qui, vous? On est journaliste pour Canal+, on travaille plus pour l'API. L'API était le responsable, à une époque, des Outlaw France. Mm-hmm. Et donc, c'est une enquête, évidemment, sur les circonstances de sa mort. Et donc, comme il a été Outlaw, ouais, on voulait savoir un petit peu ce que vous pensiez de ça, quoi. C'est tout ce que tu veux savoir? Ouais, et puis évidemment, essayer de faire une présentation, peut-être savoir un petit peu qui sont les Outlaws, pourquoi on est Outlaw. Bah, on va te répondre. On va te répondre ça. Et puis, il n'y a pas de commentaires. Après des négociations hors caméra, en mémoire de l'API, le président des Outlaws du Havre nous autorise à filmer de loin leur ride, leur balade dans les rues du Havre. Une autorisation exceptionnelle, car selon les règles mondiales du club, ils n'apparaissent jamais dans les médias. Les Outlaws sont présents dans 24 pays. Il n'existe aucun recensement officiel de leur nombre. Selon les différentes polices, ils seraient entre 5 et 10 000 membres dans le monde, dont une centaine en France. Nous arrivons à une station-service. Certains rejettent maintenant notre présence. Le président nous demande de couper la caméra. Impossible d'en savoir plus. Pour comprendre qui a tué l'API, retour le 6 août 2003, jour de son assassinat. Ce soir-là, entouré d'une dizaine de personnes, il boit un verre dans son bar du Creux de la Tine. Il est 22h30, la nuit est tombée. L'API décide de rentrer chez lui et enfourche sa moto. Il part seul. Pourtant, selon les règles du club, il devrait être escorté par un de ses frères bikers. L'Indienne était présente au bar ce soir-là. Le dernier soir où je l'ai vu, il voulait pas rentrer tout seul à la ferme. Excusez-moi. Et il avait demandé à ce qu'on l'accompagne et personne n'était disponible. Et je lui ai dit, l'API, si tu veux, sors ma voiture parce qu'elle était bloquée. Et je lui ai dit, sors ma voiture, si tu veux, je te suis. Et il m'a dit, non, c'est pas à toi le faire, l'Indienne. Et je ne l'ai plus jamais revu. L'API roule seul dans la nuit. Il a précisément 1,7 km à parcourir. C'est ici, derrière cette enceinte que nous avons filmée de jour, que se trouve sa maison. La ferme, comme il l'appelait. Un endroit isolé. Le soir du meurtre, la ferme est vide. Sa femme et ses enfants sont en vacances à plus de 300 km de là. L'API quitte la chaussée pour s'engager sur le chemin de terre. Il n'a plus que 50 mètres à parcourir avant de rentrer chez lui. Sa lourde moto ne lui permet pas de rouler vite. 20 km/h maximum selon l'enquête. Jennifer a accepté de revenir là où son père a été assassiné et de nous expliquer les événements tels que la gendarmerie les a reconstitués. Si on suit la théorie des gendarmes, il y avait une personne qui attendait dans l'angle du mur, qui passe à sa hauteur pour pouvoir lui tirer dans le flanc. D'après l'enquête, l'assassin de l'API l'attendait caché derrière ce muret. 9 balles vont être tirées en sa direction, une seule l'atteindra, au flanc gauche. L'API est gravement touché. Pourtant, il accélère pour échapper à son assassin. Il dépasse sa maison, puis donne un coup de guidon vers la gauche. S'enfonce dans le champ qui jouxte la ferme. Donc c'est là qu'on l'a retrouvé. Donc là, il y avait une démarcation et il était à 2 mètres du chemin. À peu près ici, là? Ouais, exactement là. Le tueur méticuleux remonte alors le chemin pour s'assurer que l'API est bien mort et lui loge une dernière balle en plein visage. Le corps, caché par la hauteur des épis de maïs en cette saison d'été, ne sera retrouvé que 2 jours plus tard par sa compagne. Donc la moto était sur le côté et lui était devant, donc le guidon comme ça, mais lui comme ça, la tête en avant sur le guidon. Jennifer nous guide ensuite jusqu'à Quintenat, un petit village d'Ardèche. C'est ici que son père a été enterré. Devant l'église, le jour de la cérémonie funèbre, plus de 2000 motards sont présents. Certains viennent même d'Italie, d'Allemagne ou de Grande-Bretagne. C'est énorme. Ça me donne des frissons, j'en ai même encore en parlant. Ouais, c'est savoir qu'il était aussi connu que ça. Ouais. À l'office, le cercueil de l'API est porté par des Outlaws de 4 nationalités différentes. Il s'agirait d'un rite réservé au chef, au président. Nous demandons ensuite à Jennifer de nous accompagner au cimetière. Elle nous y conduit, mais ne souhaite pas être filmée devant la tombe de son père.
que c'est la grosse là-bas qu'on voit là. Qui a juste un nom en or là-bas, juste au bout là. Il est mort à Outlaw ? Ouais. Il est mort à Outlaw, ouais. Et comme disait mon père, Outlaw, forever, forever Outlaw. Donc Outlaw, hors la loi, à jamais quoi. Son assassinat peut-il être lié à ce club de motards ? C'est la première piste suivie par la justice. À Valence, dès le début de l'instruction, le procureur note dans son rapport « Il pourrait s'agir d'un règlement de compte entre bandes rivales de bikers, les Outlaws étant rivaux des Hells Angels. » Mais l'enquête judiciaire se heurte à un véritable mur de silence. On est dans un monde que peut-être ni vous ni moi ne connaissons vraiment. On est dans un monde de motards, on est dans un monde qui n'est pas forcément légal. Hein. Le règlement de compte entre clubs est une hypothèse possible, sur laquelle les enquêteurs ont longuement travaillé, sans succès. Pour les amis de la PI, elle est peu crédible. Selon eux, un règlement de compte aurait visé tous les membres du club, et pas seulement la PI. Est-ce que c'est un club qui a fait ça? Je pense pas. Enfin, moi, personnellement, c'est pas possible. Ils nous auraient tous plombés, de toute façon. Fais pas d'illusions, ils seraient venus et ils nous auraient canardés. Donc, pour moi, ça peut pas être ça. Je ne suis pas sûre de surcroît que la PI ait cette envergure internationale qui fasse qu'il puisse être une cible de quelconque club de moto. C'est un point de vue, c'est pas une vérité. Mais alors, qui aurait eu intérêt à tuer la PI ? La justice va rapidement suivre une deuxième piste, celle d'un assassinat commis par des proches. L'Indienne nous apprend que lorsque le corps est rendu à la famille, il manque parmi les effets personnels de la PI le plus important. Un carnet noir, un carnet de comptes dont il ne se séparait jamais. Il notait tout, absolument tout. Mais bon, avec les dates, ce qu'on lui devait, les gens que c'était, enfin voilà quoi. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces carnets exactement ? Des grosses sommes. De beaucoup de personnes. La PI avait a prêté de l'argent, il a dépanné beaucoup de monde. Donc sa disparition a arrangé aussi, quelque part, des gens qui ne pouvaient pas rembourser. Et l'Indienne nous livre un autre détail troublant qui peut laisser penser à l'implication d'un de ses frères, comme la PI les appelait. Sa jaquette était doublée en Kevlar, un vrai gilet pare-balles. La PI l'a portée tous les jours, sauf le soir du meurtre. Il avait deux jaquettes que je lui avais faites, une normale et une avec du Kevlar à l'intérieur. Et sur celle-là, il ne la portait pas déjà le jour de son décès parce qu'il devait me la donner pour que je lui mette ses couleurs. Et il n'a pas eu le temps. En fait, s'il aurait porté ce gilet-là, je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, il serait là où il est. Est-ce que quelqu'un était au courant du fait qu'il portait pas son gilet en Kevlar ce jour-là ? Oui, tous ses frères qui étaient là ce jour-là. Sur ces deux éléments, la justice va placer en garde à vue 17 personnes, dont la plupart étaient présentes au bar le soir du meurtre. Un véritable coup de filet. Chacun est accusé d'avoir tué la PI. Seul leur mobile change. Jalousie à l'égard du chef, dette, même vol, tout y passe. J'ai une juge de Valence qui m'a accusé de meurtre avec préméditation en bande organisée. Donc c'est 20 ans de prison. 20 ans de prison, c'est long. Pour quelle raison ? Soi-disant que j'avais tué la PI. Et pourquoi ? Bah parce que je voulais prendre sa place. Et avec quelle preuve ? Aucune. J'ai été accusée d'homicide volontaire avec préméditation. On nous accusait, sa compagne et moi, d'avoir tué la PI pour ses biens. L'opération des gendarmes est un échec. Tous ont un alibi. Malgré l'absence du carnet de compte, malgré la substitution de jaquette, cette seconde piste suivie par les enquêteurs s'effondre. Ils vont alors suivre une troisième piste, celle de Michel Dibaco, l'ancien ami de la PI, qui aurait vendu de la drogue sur le territoire du MC Drôme. Nous avons rendez-vous quelque part en France avec un ancien proche de Dibaco. Nous l'appellerons Aldo. Aldo a quitté il y a longtemps la région de la Drôme. Avec Michel Dibaco, il a été soupçonné du meurtre de la PI et a accepté de témoigner à visage caché. C'était un peu les deux caïds du coin ou pas ?
Non, on va pas appeler ça des caïds, c'était un peu les turbulents du coin, quoi. Ils se faisaient une petite guéguerre, mais c'était courtois, encore. C'était pas méchant à se taper dessus ou quoi que ce soit. Si c'est vrai qu'ils se disputaient un peu des fois, ou des choses comme ça, avec l'alcool ou avec autre chose. Mais il n'y a jamais eu vraiment de guerre, enfin, en fait, entre eux. Ils se détestaient cordialement, quoi, voilà. La haine entre Lapie et Michel Dibacco est légendaire à l'époque. Et le 30 juillet 2003, 8 jours avant l'assassinat de Lapie, la tension va monter d'un cran entre les deux hommes. Un restaurant de motards au Creux de la Tine, en plein sur le territoire de Lapie. Michel Dibacco décide d'y dîner, en compagnie d'Aldo. Lapie y débarque, il est armé et manifestement furieux. Mais plutôt que de s'en prendre à Michel Dibacco, Lapie va menacer Aldo. Lapie s'en est pris à moi. C'est-à-dire, il arrivait avec un pistolet, il dit j'en ai marre, machin, et c'est là, j'ai pas trop compris, parce qu'il y avait de l'alcool, il y avait tout ce qu'on voulait, quoi. Qu'est-ce qu'il vous dit, Lapie? Il vous en veut de quoi? Pourquoi il vient vous... Non, c'est pas qu'il m'en veut à moi, c'est qu'il essaie de toucher le... Michel, quoi. Hein. C'est incompréhensible, il y a quelque chose de latent entre eux, mais on peut pas bien savoir, justement, ce qu'il y avait de latent, quoi. Et puis Lapie, il a une arme dans les mains, que Michel, je suis catégorique, il touchait pas d'arme, quoi. Ça a pas dégénéré, justement, ça s'est arrangé, ça s'est terminé à la tienne, à la mienne, quoi, en gros. Pourtant, il y a eu un couteau tiré. Lapie a tiré en l'air. Il n'y a heureusement aucun blessé ce soir-là. Placé en garde à vue, Dibacco confirme aux gendarmes la dispute qu'il a opposée à Lapie, le coup de feu en l'air, ainsi que son désaccord avec Lapie. Il devient le suspect numéro 1. C'était quoi le scénario des gendarmes à ce moment-là? Ils imaginent que c'est Michel qui l'a tué et que moi je l'ai accompagné, quoi, que je conduisais, quoi, en fait. Ça, en gros, c'est le fantasme du gendarme que j'ai eu à faire, quoi. Mais Aldo et Michel Dibacco ont des alibis le soir du crime. Ils étaient tous les deux à Saint-Vallier, dans un bar, à plusieurs kilomètres de là, en compagnie d'un troisième témoin, le beau-père de Michel Dibacco. Au moment où ça se passe, moi je suis dans ce bar, quoi. Je suis dans ce bar avec le beau-père de Michel. Et Michel nous rejoint exactement autour des 8h30, 9h, je ne sais pas quelle heure il a eu lieu le crime, quoi. Il semble qu'il ait un alibi, en tout cas il a été retenu, puisque Monsieur Dibacco n'a pas été mis... en examen. Des alibis pour le soir du crime. Pourtant, les gendarmes vont continuer sur cette piste car un renseignement anonyme leur parvient, comme le souligne le réquisitoire du procureur. Le commanditaire serait Dibacco, qui a été braqué et menacé quelque temps auparavant par Lapie. Le tireur serait un associé de Dibacco ayant les cheveux gris, coiffé en queue de cheval. En enquêtant sur l'entourage de Dibacco, la justice va découvrir l'homme aux cheveux gris. Gérald Crouzet, ancien biker, et collectionneur d'armes. Cet homme, aujourd'hui décédé, était un ami, un voisin de Michel Dibacco, et lui a même acheté un garage à Arras-sur-Rhône. Sur place, nous retrouvons sa sœur. Elle ne croit pas du tout à la culpabilité de son frère. Michel Dibacco vivait ici, avec son épouse et ses deux enfants. Ils étaient copains, Michel venait là, voilà, il passait au garage, il entreposait ses voitures, voilà, ils allaient boire un coup ensemble, en face, voilà, ça n'allait pas chercher. Au départ, il y a déjà pas mal de temps, ça leur arrivait de faire un peu la fête ensemble et tout ça. Et puis bon, après, petit à petit, mon frère a un petit peu s'est lassé des frasques un peu de Michel et a mis un peu les distances avec lui. Pour ses proches, Gérald Crouzet est un homme pacifique, père célibataire, bon vivant. Pas le profil d'un tueur. Mais les gendarmes le soupçonnent, ils vont le placer en garde à vue. Il cherchait une arme pour voir, parce que mon frère était collectionneur d'armes. Et il avait pas mal d'armes chez lui, ils sont venus perquisitionner pour voir s'il n'y avait pas une arme qui correspondait au meurtre, ils n'ont rien trouvé d'ailleurs. Et de là, voilà, après il a été relaxé. La justice piétine, mais dans la région, la rumeur enfle. Une rumeur nourrie par Michel Dibacco lui-même. Dans son bar, quand il a trop bu, il se vante régulièrement d'être à l'origine du meurtre de Lapie. Il paraît qu'il dit à tout le monde, à Saint-Vallier, à tout le monde, le soir, quand il a bu le canon, il dit à tout le monde que c'est lui qui l'a fumé. La seule chose qu'on peut pourrait éventuellement lui reprocher à Michel, c'est d'avoir tiré de l'auréole de ça. Qui est pas quelque chose dans l'histoire, mais il faisait semblant de rien, quoi, voilà. C'est histoire de tirer la gloire des faits, quoi, même si c'était pas lui. C'était le personnage. Il n'est pas impossible qu'il se soit vanté de choses qu'il n'ait pas faites. Je ne vais pas vous démentir sur ce point. C'est pas impossible du tout.
Alors, au fil des mois, le poison de la rumeur se répand. Michel Di Bacco aurait tué Lapi avec Aldo et Gérald Crouzet. 5 ans plus tard, nous sommes en 2008. L'Ardèche va être le théâtre de meurtres en série. En moins d'un an, Michel Di Bacco, Gérald Crouzet et un troisième homme, Marc Nepotzi, un ami proche de Di Bacco, vont à leur tour être assassinés. 3 morts, dont 2 soupçonnés un temps d'avoir tué Lapi. Quelqu'un a-t-il voulu faire justice, venger la mort du biker? Tout commence le 13 avril 2008, 14h, sur la route de Arras-sur-Rhône. La sœur de Gérald Crouzet nous conduit jusqu'à l'endroit où la voiture de son frère a été retrouvée cet après-midi-là, à la sortie d'un virage. Un soi-disant accident de voiture. C'est ici qu'on a retrouvé la voiture, en contrebas de la route. Les secours concluent à une crise cardiaque. Eh bien, au départ, on me dit que donc, mon frère arrive de là-bas et qu'il aurait fait son arrêt cardiaque. Il aurait tiré tout droit et venir s'écraser contre cette pierre. Carole Rosier a des doutes et demande à voir le véhicule de son frère. Elle va y faire une étonnante découverte, des traces de sang dans l'habitacle. Aucune trace côté conducteur, par contre une mare inonde le côté passager. Le sang a même giclé jusque sur le toit et les sièges arrière. On voyait des éclaboussures de sang qui partaient du côté conducteur jusque derrière. Ça faisait une projection de sang qui ne collait pas du tout avec ce qu'on m'avait dit. Sans oser penser à un assassinat, Carole ne s'explique pas ses étranges projections de sang. Mais elle garde ses doutes pour elle. Et 3 mois plus tard, nouveau coup de théâtre. Le 29 juillet 2008, alors que Michel Di Bacco boit un verre à la terrasse de son bar, 2 hommes en moto se garent. Le passager arrière braque un pistolet mitrailleur de calibre 9 mm et tire. Di Bacco est frappé de 13 balles, il meurt sur le coup. En 3 mois, 2 des principaux suspects de l'assassinat de Lapi sont morts. Intriguée, la justice ordonne alors l'exhumation du corps de Gérald Crouzet. On l'exhume pour faire une autopsie, pour voir si mon frère a bien fait une crise cardiaque et tout ça suite à l'assassinat de Michel Di Bacco. Ils essayent de voir si les affaires ne sont pas liées. Et qu'est-ce qu'ils découvrent ? Ils découvrent que mon frère est mort d'une balle dans la tête. Il a été tiré de l'extérieur de la voiture. Il a été tiré de l'extérieur de la voiture, de la gauche vers la droite. Ça a été déterminé par les légistes. Et dans l'entourage de Di Bacco, les meurtres ne s'arrêtent pas là. Le 20 février 2009, un troisième homme, Marc Nepotzi, mécanicien et bras droit de Michel Di Bacco, disparaît mystérieusement. Les enquêteurs pensent alors qu'un tueur en série est en train de venger la mort de Lapi. Ils vont s'intéresser à un homme, Honoré Zanchi. Il n'existe de lui que ces 2 photographies, issues de l'identité judiciaire. Honoré Zanchi a passé la majeure partie de sa vie en prison, pour braquage, agression et meurtre. Les enquêteurs le soupçonnent pour 2 raisons. Honoré Zanchi est sorti de prison 15 jours seulement avant que ne commence la série d'assassinats. Il était surtout l'un des meilleurs amis de Lapi. C'est qui Honoré Zanchi ? Un ami très proche de mon père, qui a toujours été là dans les moments difficiles. On va pas dire qu'il l'a remplacé, mais pour les choses importantes, il était là, quoi. Pour son avocat, Honoré Zanchi est d'abord un voyou à l'ancienne, un véritable homme d'honneur. Il y a cette constante chez Zanchi, c'est cette fidélité. Et donc, il a ça en lui. En plus, c'est cette règle qui lui convenait parfaitement dans ce milieu, dans le milieu. Et donc, on est d'abord fidèle aux amis. Et Lapi, c'était son ami. Début 2009, Honoré Zanchi est placé sous surveillance discrète. Les gendarmes mettent des micros dans sa voiture. Il va se livrer à des confidences. Au volant, il va évoquer la disparition de Marc Nepotzi. Il sonorise la voiture et là, évidemment, se pensant tout à fait à l'abri
d'oreilles indiscrètes dans la voiture, Honoré Zanchi parle à quelqu'un qui n'est pas identifié et parle très clairement du lieu où l'on va retrouver, grâce d'ailleurs à ces déclarations, où l'on va retrouver le corps de Marc Néposite. Honoré Zanchi parle de la roche Péréandre. En patois local, le nom de ce grand rocher signifie la roche où a péri André. André, le nom de famille de Lapi. Les enquêteurs vont alors fouiller les alentours et trouvent enterré le corps du disparu, le visage défiguré par un objet contondant. Honoré Zanchi est ensuite arrêté, incarcéré et mis en examen pour les trois crimes. En fait, Honoré Zanchi, j'en suis persuadé, dans son esprit, a rempli un devoir sacré d'amitié en vengeant Jean-François André et en pensant, en tuant notamment Gérald de Crouzet, Michel Dibaco et Marc Néposite, avoir en ligne de mire les auteurs de l'assassinat de Jean-François André. Une vengeance, une vendetta au cœur de la Drôme et de l'Ardèche. L'avocat de Zanchi, lui, affirme que son client est innocent. Personne n'a jamais su qui avait tué Lapi et si c'était vraiment Dibaco. Donc Zanchi ne le sait pas, pas plus qu'un autre. Donc c'est ce qu'il dit. Moi, voilà, j'en savais rien et j'allais pas tirer sur quelqu'un. Voilà. Le procès d'Honoré Zanchi se tiendra l'année prochaine à la cour d'assises de Valence. Mis en examen pour trois assassinats, il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Quant à savoir qui a tué Lapi, la justice, aveu de son impuissance, s'apprête à prononcer un non-lieu. Il n'y aura jamais de coupable, sauf si un élément nouveau permettait de relancer l'enquête. Alors le mystère de la mort de Lapi perdurera. La mort d'un rebelle, d'un vrai biker, exécuté au guidon du Big Drum Machine, sa mythique Harley Davidson.